told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until. Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans un hall action. Il n'y a pas grand chose, c'est des petites choses. On est allé chez Action pour un sac de couchage. On n'a pas trouvé de sac de couchage, mais on est revenu avec nos 90 boules de chez Action. Donc voilà, la première chose que j'ai pris, c'est ceci. Je me suis pris un verre pour moi, silicone cover. Donc voilà, c'est un verre en verre avec une paille qui est comme ceci. Et en fait, vous mettez la paille dans ce sens-là, comme ça, elle ne sort pas. Et le verre est en verre et il y a un contour en silicone, je l'ai pris en mauve, voilà comme ça. Ça c'est pour moi parce que j'aime bien de boire des milkshakes et des smoothies. Donc du coup, je me suis dit que c'était pas mal. Si vous entendez un peu de bruit autour de moi, c'est pas grave. On est en train de réorganiser une pièce, pas mal. Donc voilà, et on a un bébé par là. Désolé pour le petit bruitage du fond, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc du coup j'ai pris ce verre là, je le trouve très très beau avec le couvercle en bambou. Enfin, c'est vraiment le style de verre que moi j'aime bien. J'en ai pas pris pour les enfants parce que c'est en verre, c'est vraiment mon verre à moi. Pour quand je fais mes milkshakes, mes smoothies, ou quand j'ai envie de boire ou de faire de belles photos pour Insta. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Angelina part à la mer du Nord, c'est pour ça qu'on était allé en fait... chez Action pour voir s'il n'y avait pas des sacs à couchage, mais pas de sacs à couchage. On s'est dit peut-être que quand c'est l'été et qu'ils vendent des tentes et tout ça, il y aurait peut-être des petits sacs à couchage, mais il n'y avait pas. Au final, on les a commandés, on l'a commandé sur Amazon. On croise les doigts pour l'avoir aujourd'hui parce qu'elle part lundi. Donc ils ont demandé à ce qu'il y ait plusieurs changes au niveau des petites culottes. Donc je lui ai pris déjà deux boxers comme ceci. Je me suis dit que voilà, c'était pas mal. Si elle les supporte, les boxers, en fait, peut-être qu'à partir de maintenant, comme je vais devoir changer ces petites culottes pour la rentrée. Parce qu'elle devient petite, hein. Je prendrai peut-être que des boxers, comme ça elle se sentira peut-être plus à l'aise. Je vais lui faire essayer des boxers, on verra bien. Donc j'ai pris deux, un rose comme ça et un avec des petits dessins. Je lui ai pris une casquette parce qu'elle n'a pas de casquette encore. Elle a des fichus que ma maman lui fait. Mais bon, je me suis dit si elle va à la pêche à la crevette, elle va aller en bateau, etc. Et si jamais les fichus, il y en a un ou l'autre qui est mouillé, mais qu'elle ait au moins une petite casquette comme ça. J'ai pris la casquette évidemment Paw Patrol puisque c'est une grande fan de Peppa Pig et de Paw Patrol. Bon, en parlant de ça, j'ai trouvé des brosses à dents comme ceci. Voilà, c'est à partir de 0 mois. Et je trouvais qu'elles étaient pas mal en fait pour agripper. Ça, je sais pas. Elles sont beaucoup plus larges pour agripper pour elle. Et donc, je vais lui en mettre une à elle. Elle choisira celle qu'elle veut pour partir à la mer. Et je vais en prendre, je vais en mettre une comme ceci pour brosser les dents d'Alessandro. Du bébé que vous entendez crier parce qu'il a quatre petites dents et la grande elle est un peu trop grande pour lui, donc je me suis dit c'est pas mal et c'est Peppa Pig, ça lui plaira. Donc j'ai repris des chaussettes pour Zoé 31-34, voilà, pour quand elle doit mettre des baskets, qu'elle puisse avoir des petites chaussettes aussi. N'empêche qu'elle met plus souvent des sandalettes que des baskets quand il fait très chaud parce qu'elle n'aime pas porter des baskets quand il fait chaud. Mais bon, on ne sait jamais si un jour on doit marcher un peu plus ou quoi. Je me suis dit pourquoi pas. Pour Angelina, j'ai repris, ils ont demandé plusieurs changes de chaussettes. Donc j'ai repris plusieurs. Ça, c'est aussi pour Angie, pour Zoé. Donc voilà, c'est des 31-34. Ça, c'est pour Angelina. Ils ont demandé, j'en avais déjà acheté. Vous savez, chez Lidl, j'avais dans mon retour de course, je vous avais montré que j'avais acheté 3 paires de Peppa Pig. J'en ai repris 3 paires. Comme celle-ci, ils en ont demandé 6 au total, donc parce qu'ils vont aller, comme je vous l'ai dit, ils vont aller dans l'eau, ils vont aller à la plage, ils vont aller sur le sable, et donc ils veulent des chaussettes pour pouvoir changer régulièrement les chaussettes, donc du coup j'en ai repris 3, mais il y en a encore, je pense, au fond. Ils avaient déjà sorti le paquet pour recouvrir les cahiers, et c'est le truc que j'ai tout le temps d'acheter quand je fais mes achats de rentrée, et alors on se retrouve ennuyé parce que c'est la rentrée scolaire, on n'a pas le temps, on court, on a les rendez-vous, on a notre quotidien, donc du coup je les ai vus, je les ai pris. Donc j'ai pris des transparents comme ceci, voilà, ça c'est un transparent, c'était 59 cents si jamais vous me posez la question, c'était 59 cents, alors ici c'est un papier à couvrir, mais alors il est transparent celui-ci, et ça c'est pour faire les journaux de classe des grands, parce que les professeurs ils aiment bien que les journaux de classe soient en transparent, pour voir le journal de classe en fait, que les enfants les reconnaissent, et eux tout de suite aussi, ils n'aiment pas qu'on mette du papier couvert comme ça, donc j'ai pris des transparents, ensuite j'ai pris du bleu comme ceci, du noir et gris. Gégé d'amour, comment tu vas? Ta poule.
du noir comme ceci. Et j'ai pris un rouleau de rose avec des piqûres. Donc voilà, si jamais on n'a pas assez, ben, on reprendra. Mais déjà pour les premiers cahiers quand ils arrivent, c'est déjà une bonne chose d'en avoir. Alors j'ai pris ceci pour moi. J'ai pris un organisateur dans lequel je vais pouvoir noter en fait numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et en fait je vais pouvoir noter à chaque fois en fait au niveau. Parce que moi vous savez, je fais beaucoup de menus, de listes de courses, de goûter, de recettes, de choses ainsi. Et donc ici je vais pouvoir noter, vous voyez, 1, goûter, 2, menu de la semaine, 3, enfin je vais pouvoir à chaque fois noter ici. Et à chaque fois, vous voyez, j'ai le petit intercalaire ici. Hop, dans lequel il y a la couleur, et comme ça à chaque fois ben, je sais que le 1, ben, par exemple c'est 1, c'est le menu, 2 c'est les goûters, 3 c'est mes recettes, et 4 c'est des idées de vidéos, etc. Et comme ça j'ai mon petit organisateur comme celui-ci, et j'ai repris un deuxième comme ça parce que je ne sais pas lequel sera le plus pratique. J'ai repris un Oxford comme ceci, avec par contre lui, toutes des pages, vous voyez, et chaque fois il y a une couleur différente. Donc je ne sais pas du tout si je vais l'utiliser, ou si je vais plus l'utiliser pour faire les, pour faire des idées vidéo, ou si je vais plus les utiliser pour des listes de courses, ou enfin je sais pas, je le trouvais pas mal, je trouvais que l'organisation était bien, on verra. Pendant les vacances, je vais me poser et regarder pour refaire une organisation pour mes chaînes et pour tout ça. Parce que pour les rendez-vous, j'ai l'agenda qui est de 2022, donc qui va jusque janvier. Donc ça, j'ai pas besoin pour le moment d'en racheter un. Toujours pour Angelina, comme je vous avais dit, il lui fallait des chaussettes. Donc j'ai repris encore 3 paires. Comme ça, au total, je lui ai repris 9 paires de nouvelles chaussettes. Plus les 6-7 qui traînent en cours de route ici, on aura de quoi pour mettre dans la valise. Toujours pour Anaïs Angelina, je lui ai repris un pot de dentifrice. Elle en a ici, mais bon, quand on part, c'est toujours bien d'avoir un petit pot de dentifrice pour soi, ouais, pour soi seul. Donc je lui ai repris du Colgate 6-9 ans, puisqu'elle a 6 ans, avec un petit bonhomme justement qui surfe, regardez, un petit bonhomme qui surfe sur, sur une vague. Donc ça, c'est topissime. Donc voilà. Donc du coup je me suis dit je lui mettrai sans le carton, hein, je lui mettrai directement comme ça. Et les instits, c'est elle qui s'en occupe, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est des enfants portant handicap. Donc c'est pour ça que c'est assez cadré ce qu'ils demandent, parce que ben, c'est pas facile de s'occuper d'un groupe comme ça. Donc c'est des choses assez faciles. Donc voilà. Ils ont demandé un paquet de lingettes, donc je lui ai pris ceux-ci avec le clip. Parce que moi quand je suis à la maison, je prends pas spécialement le clip, je prends les sensitives ou quoi chez Lidl. Pour quand c'est pour le petit, parce que ben, on change ici, je le mets dans mon sac. Voilà, il y a... Mais ici, je me suis dit que pour la mer, ça serait bien d'avoir. Et j'en prendrai quand nous partirons aussi notre semaine à la mer, parce que je suis à la mer. Et j'en prendrai aussi des comme ça, ça évite que le sable rentre dedans. Et ça évite que ça sèche. Donc j'ai pris ceci. Ensuite, toujours pour Angelina, je lui ai pris le P50 de la marque Nivea quand j'ai fait mes courses. Donc dans mon dernier retour de course, je vous invite à aller le voir. Et là, je lui ai pris le spray After Sun, donc après soleil, dermatologique. Donc voilà. Moi, j'en avais mis l'année dernière quand on avait été hyper brûlé. Ça a un effet froid comme ça. Et c'est agréable quand vous êtes cramé du soleil. Je peux vous dire que l'année dernière, on était cramé plus que là. Là, je suis déjà bien cramé, vous voyez. Mais alors l'année dernière, c'était cramé qui cramé. Mon chéri a repris 4 bobines de fil. Si vous avez suivi, ben vous aurez droit à l'action avant le vlog. Donc vous aurez l'explication dans le vlog. Donc je vous invite à aller voir le vlog de demain pour avoir l'explication des bobines de fil. Networks. C'est des câbles max. Il en a pris 3, je pense. Hein, 3 bobines ou 4, tout ça. Ensuite, ça c'est pour moi quand je vais à la mer. C'est une haute protection 30, caraïbine bronze, UVB, UVA, water résistant. La bouteille est 100% recyclable. C'est un petit cheat comme ça. Et c'est de la crème solaire avec accélérateur de bronzage et qui adoucit et protège contre les effets nocifs du soleil. Voilà, ça c'est pour moi quand je vais aller à la mer du Nord avec ma famille. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets. C'est une honte, c'est un scandale honteux, mais vous êtes visiblement plusieurs à être accro à ce truc. Allez. Attention. Donc voilà, il y en a beaucoup qui m'ont mis en commentaire que le Nissini, c'était la vie. Voilà. Donc, le grand barbu et son histoire de Nissini.
Et il en prend beaucoup parce qu'en fait, les enfants, ils lui piquent pour aller à l'école. Les enfants sont dit, c'est quoi? Ben, je dis, goûte, tu verras, c'est un bien. Du coup, ils ont surkiffé. Et maintenant, les deux garçons, surtout, quand ils partent le matin, c'est eux qui prennent même leur collation. Et en fait, ils piquent les Nucini de papa. N'est-ce pas? Le grand barbu. Il a plus ses Nucini, monsieur barbu. Ensuite, toujours pour la rentrée scolaire, pour Angelina qui rentre, enfin qui est déjà en première primaire, mais qui fait réellement sa vraie rentrée scolaire avec tous les nouveaux trucs et tout ça. En septembre, je lui ai repris le set Paw Patrol avec la gomme, le taille-crayon, les crayons de couleur. La petite pochette pour mettre les crayons de couleur parce qu'elle a déjà le plumier. Et derrière, c'est un petit livre si elle veut faire des dessins ou écrire ou quoi. Paw Patrol, ça, elle surkiffe. Hein. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé, c'est deux boîtes-ci. Voilà. Smacks et Choco Pops. Parce que ben, mes enfants, en fait, ils mangent des Smacks et des Choco Pops. Et donc, du coup, je les ai pris pour remplacer les boîtes transparentes, pour pouvoir prendre les boîtes transparentes, pour mettre toutes les sortes de pâtes, parce que j'ai beaucoup de sortes de pâtes, parce qu'on mange beaucoup de pâtes dans cette maison. Et donc, suivant ce que je fais comme plat, je change de style de pâte. Donc j'ai pris la Coco Pops et j'ai pris la Smacks. J'ai pas pris Frosties parce que les enfants mangent pas de Frosties, mais il y a la Frosties pour si jamais vous avez des enfants vous-même qui mangez des Frosties. Mais nous on n'a pas. Il y a Alessandro qui est très intéressé parce qu'il y a une grenouille. Papa, il y a une grenouille sous la boîte. Ensuite j'ai repris de nouveau de petites culottes, mais plus style culotte comme elle l'a pour l'instant. Pour Angelina, comme ça, elle en a deux, donc elle a quatre. Et donc j'en rajouterai juste deux, comme ça on aura six. Voilà, c'est des petites comme ça, mais elles sont fort larges, vous voyez. Donc moi je trouve ça très très bien. Et en fait, elles sont faciles à enfiler. Donc les instits n'auront pas trop de mal à habiller la petite. Alors du coup, hop. La deuxième, elle est comme ça. Je la trouvais très jolie, la deuxième. Voilà. D'ailleurs, s'il y avait eu la même pour adulte, je crois que je l'aurais pris. Mais bon, voilà. Je la trouve super jolie. Voilà, voilà. Et ensuite, c'est des câbles que monsieur vous a montré. Il avait pris au final 4 paquets. Parce qu'il en a un qui est en train d'utiliser. Et l'adaptateur qui est là, que je vous montrerai après. C'est ça aussi de l'appréciation. J'ai repris des boîtes comme ceci, micro perforées pour mettre. Pour mettre le salami, le jambon, le fromage, parce qu'à la rentrée scolaire, ben, il y en a trois qui vont manger sandwich de maison, parce qu'il n'y a pas de repas chaud dans l'école où ils vont. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien d'acheter celle-ci. En plus, je vais avoir sûrement dans le courant de l'été, on va essayer de changer de frigo, de prendre un plus haut. Donc du coup, j'ai pris celle-ci et... je mettrai le fromage, le jambon, le salami, etc. Suivant les semaines, ceux qui veulent manger, je sortirai le paquet parce que je vais acheter de la charcuterie en avance, acheter et la sortir au moment où ils ont décidé de manger ça. Et comme je vous l'ai dit, la dernière chose, c'est les deux câbles comme ceci. Voilà. Et alors, mon chéri a pris l'adaptateur. Hop là, hop là, hop là. Voilà, il a pris. Il revient. Il a pris un adaptateur comme ceci pour brancher internet, donc brancher celui de la B-Box ici, et les autres vont être vont partir vers chacun des PC de tout le monde, parce que du coup comme on remet le salon ici en bas, on remet la TV ici en bas, donc du coup il faut que la B-Box soit rattachée avec cet adaptateur là à toutes les tâches. Donc voilà, ne m'en demandez pas plus s'il vous plaît, merci, merci. Parce que moi, j'y connais rien, donc ne me posez pas plus de questions que ça. Donc voilà pour les petits achats. On est à 90 euros. Franchement, je trouve que c'est cher. Hein? Action devient cher. Aussi. En fait, je crois que tout est cher. Donc voilà pour les achats que l'on a fait chez Action. J'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur la deuxième chaîne qu'on vient juste de lancer, qui est une chaîne où je fais des recettes familiales rapides, ASMR le mercredi et voix off, parler normal
Tous les dimanches, c'est sur tous les plats, les gâteaux d'anniversaire, il y a des smoothies, il y a de tout. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça va se noter ici. Mon Instagram va se noter ici. Et si vous n'avez pas Instagram, je vous note ici en bas le Facebook. Et quand vous allez sur Facebook, envoyez un petit message en avance pour dire que vous venez de la chaîne YouTube pour qu'on puisse vous intégrer au Facebook parce qu'on n'accepte pas tout le monde sur Facebook. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Merci. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.